Très bonne semaine tout le monde, bonsoir et puis bienvenue dans Téléjournal là, sur Télévision Nationale d'Haïti. Jeudi, c'est lundi 19 mars 2018, main grand titio. Président République là, Jovenel Moïse, visité samedi 17 mars là. Projet caravane changement qu'a réalisé dans le département sud. Parmi chantier Sayo, gain un travail curage rivière la ravine, là, au niveau bananier, commune Camperin. Route asphalte qui commence à faite dans Kafou Méridien pour arriver d'ici. Sous recommandation, président Jovenel Moïse, ministre intérieur à collectivité territoriale, là, Max Rudolph Saint-Albin, distribué pendant la semaine passée à plusieurs centaines de motocyclettes by Kazek dans 10 départements géographiques pays. Sénat République l'a organisé pendant semaine passée en retraite pour permettre sénateurs de discuter sur divers dossiers qui ont rapport à fonctionnement parlement et puis séance qui était faite sous Petro-Caribéa. Ministre Affaires sociales et Travail et puis ministre Jeunesse Sport et Action Civique dans tête une délégation visité pendant week-end la situation compatriotes haïtiens vivent dans 11 chapitres après Dominicain fin déguerpillé sous territoire. Ministre Santé publique là, docteur Marie Greta Roy Clément à plusieurs cadres ministères a participé jeudi à notre 36e conférence les lundis de la presse. Ministère communication toujours organisé. C'était occasion pour ministre Marie Greta Roy Clément parler sous maladie diphtérie, présenter situation épidémiologique maladie sila et puis plan pour freiner. Actualité en sous-plan international, président Russland Vladimir Poutine réélu dimanche 18 mars à 76,67% voyaux. C'est pi bon score Poutine pas jamais fait depuis 18 l'année gouvernance li, soit comme président ou soit premier ministre. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés, c'est Titayo à comme pilote information qui pral fait essentiel journal lan pour asoir. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branchait Téléjournal Lance ou Télévision Nationale d'Haïti. Jeudi, c'est premier sorti Journal Lance pour semaine ça. Et puis, on a démarré comme d'habitude avec information et une page météorologique là, ensemble avec collaborateur nous, Wilner Polidor, qui pourra le poter pour nous information sous temps. Bonsoir Wilner et bonne semaine. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui. Nous c'est lundi 19 mars 2018. En début de semaine, nous souhaitons avec chaque monde une bonne semaine avec la météo. On a voir comment conditions météorologiques là pendant week-end nous gagne la pluie et les possible pour nous gagne la pluie non seulement aujourd'hui mais au cours de semaine parce que en week-end dès vendredi pour gagner un fond ta supposé river sous nous. On a voir comment ça est pour aujourd'hui. Nous gagne une zone de basse pression qui trouve vraiment sur Amérique du Sud et prolongement li Jean Noël là li créé un creux de surface au niveau de la mer Caraïbe là ça veut dire au sud de République d'Haïti gagne une faiblesse là qui vraiment a provoqué une situation qui instable sous région sud pays d'Haïti ça veut dire n'a pas avec un temps qui nuageux au cours de journée là et a gagné la pluie qui était possible sous région sud pays d'Haïti ça veut dire département Grand-Anse, sud, sud-est, Nip et puis l'ouest, c'est même cap gain activité la pluie pour aujourd'hui à soir et au cours de nuit là, c'est des averses modérées cap gain sous région que nous saute cité Layo. Pour capitale avec zone qui environ son capitale cap gain qui nuageux et nuage ça va persister en journée pour bailler la pluie en soirée et au cours de nuit là, mais faut que nous préciser quartier qui en zone sud capitale là yo plus gain plus possibilité pour gain activité la pluie ça yo et jodi encore n'a bon température qui a monté jusqu'à 32 degrés Celsius pendant journée elle a fait chaud et en fin de nuit la descend jusqu'à 20 degrés Celsius. C'est une mer qui agité sous en côte nord et côte sud mais gouvernement c'est
yon mer ki bel a peu agité, mais pour côte nord là avec côte sud là nous dit capitaine embarcation précaution avec prudence parce que la mer li a agité sous deux zones côte pays d'Haïti. Et pour page astronomique nous gon soleil cap coucher jodi a très tard à 7h00 et la pleuve d'un matin à 6h54. Mesdames, messieurs, merci pour faire l'étoile avec attention. N'a pas croisé demain pour une autre page météorologique. Merci, Wilner. Et comme nous sommes annoncés dans le grand titre, président Jovenel Moïse visité samedi 17 mars, plusieurs projets caravane changement cap réalisé dans le département sud. Dans cette visite, ça, chef l'État a gardé travail Courage Rivière-la-Ravine dans le niveau bananier, commune Camperin. Visitez tout route asphalte qui commence à faire dans le Cafou Méridien pour arriver d'ici. Et puis plusieurs autres chantiers. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay a donné plus de détails dans le reportage. Ça. 7 mois après lancement caravane changement dans le département sud-là, c'est avec satisfaction président République Jovenel Moïse constate résultat travail. Route qui finit asphaltée et puis ça qui en construction. Tant coup, route bétonnée dans Simon, route en asphalte Cafou Joute pour arriver Saint-Jean du Sud, route Cafou Méridien pour Albout Diocis. Yon série promesses qu'a réalisé. On croit que jodi a rôle presse dans pays d'Haïti. C'est commencer à montrer population travail qui fait dans le sud pendant 7 mois. Ça veut dire que nous sommes dans une zone mersan, c'est ça. Nous sommes dans zone côté. L'homme prend décision, me dit route fait, gros amis qui rit, équipement qui vient souterrain. Les amis ont demandé, est-ce que vous êtes fou? Là, ils ont dit oui, route l'a fait. Je parle de mois janvier, nous en masse là. Décision en prend, route ça, l'y construit, et si nous regardons, l'homme saute de passer devant l'hôtel Le Recul, moi pas même compte l'homme passer devant. Son monde qui est machine qui dit, c'est devant l'hôtel Le Recul, ou passer là. Parce que nous venons dans l'hôtel là, route là c'est tellement pas bon, je pas même rendre compte l'homme passer devant. Ça veut dire tout travail ça, que nous réalisons dans le département, nous voulons dire, c'est avec support par peuple haïtien. Qui te couré nous pendant la première année pour voir ça? Qui te permet avec l'État, mes ressources que nous avons, nous travaillons, nous faisons. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, avec l'ambassadeur du Canada qui est là ensemble avec nous, ministre des Travaux publics, député Bertin, qui est député de circonscription, coordonnateur caravane, nous là, nous comptons pour qui? C'est pour nous dire, communauté internationale, aujourd'hui, c'est ça, nous avons cherché un partenariat pour nous capables de travailler ensemble avec vous. Pour que l'aide internationale là, nous mette au service du développement, même si nous voulons mettre l'État au service du peuple. Là. Mon la commune et la section n'ont pas caché contentement de ce que le travail de la caravane vient retirer dans la poussière et la boue. Dans ma niche et Mersan, mon yo te même mette bonne de yo et plusieurs pancartes qui expriment mes sentiments. Yo. Chef l'État a été invité ambassadeur canadien André Frenette dans environ ça. Une façon pour aider les paysans de Haïti à comprendre le travail que la caravane a fait dans le pays et puis retomber immédiatement sur la population. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout vice-président Sénat République Pierre-François Sildor by quelques explications sur retraite qui fait dans Côte des Arcadins semaine passée à côté plusieurs sénateurs t'est présent. C'était occasion pour sénateurs de discuter sur divers dossiers qui ont rapport avec fonctionnement parlement, avec séance qui t'est faite sous Petro-Caribéen d'après sénateur Pierre-François Sildor. Qui était quoi? Retraite là, c'était une réussite. L'économique Richardson Jourdan avec Laurent Orly Jean-Jacques, l'abdi non plus. Le Sénat de la République a organisé une retraite à Royal de Cameroun. Nous faisons pendant 4 jours pour discuter sur ensemble de dossiers qui sont importants pour le Sénat, mais qui sont importants également pour la nation.
Il y a un point qui est à l'occasion de nous retraite ça, c'est que il y a des malaises, même un dysfonctionnement au niveau Sénat. Et le président du Sénat, l'honorable Joseph Lambert, avait jugé bon avec le bureau pour nous organiser une retraite, pour nous vider un ensemble de contentieux et pour nous travailler à harmonisation, pour nous reprendre le travail parlement. Nous avons surtout parlé de contentieux gains, problème Sénat, que ça n'a pas fonctionné. Tout le monde connaît que c'est réunion 31 janvier et 1er février sur question pétro-caribéen. C'est ça qui est objet de pomme de discorde entre sénateurs. Nous avons une minorité à qui elle en façon, nous avons une majorité à qui elle en façon, et nous avons des interprétations qui ne peuvent pas aller dans ce sens l'autre. Et ces deux rapports qui fait rapport là, nous trouvons un ensemble de cohérences là d'ailleurs, entre le rapport préparé par le sénateur, présidé par le sénateur Yola Tortue, et la proposition du rapport préparé par Beauplan. Nous trouvons un bagage qui n'est pas correct là-dedans. Et surtout dans la recommandation. Nous ne pouvons pas décider en retraite là, non, ça ne dit en retraite là. Nous discutons sur la façon que le Sénat doit fonctionner. Dans la retraite là, par rapport à la résolution même, le sénateur Senatus et autres sénateurs avaient demandé de relire maintenant les procès-verbaux de deux séances. Là. Nous avons dit en avril, nous avons mis en discussion. Si maintenant nous arrivons au vote, il y a voté toujours. Mais c'est que nous déjà voyons nous-mêmes l'encoursurer des comptes et bien exécutif là. Nous prenons notre décision tout. C'est façon maintenant entre pairs, entre sénateurs, qui gens pour nous fonctionner, qui gens pour le Sénat reprendre le travail là, sous règlement intérieur, sous façon que nous fonctionner, tant de paroles, etc. Tout ça est là-dedans. Mais c'est sûr que ça a demandé spécifiquement, c'est. Et pour ces verbales-là, pour t'amener, pour ces verbales-là, en discussion et en débat. Ce qui sera fait. L'autre point qui a dominé l'actualité, hein? Administration Moïse et gouvernement Lafontaine paraît pour porter secours aux Haïtiens qui n'ont qu'un en chapitre après Dominicain et fin chassé sous territoire pendant la semaine qui s'est passée. Ministre Affaires sociales et travail là et puis ministre jeunesse sport et action civique là terrenio dans tête en délégation dans en chapitre week-end passé à pour capable porter accompagnement by compatriotes nous yo. On suivi un reportage avec Anne-Marguerite Auguste. Matelas, prélat, kit hygiénique, c'est quelques matériels moun sa yo bénéficier pour faciliter yo vivre yon ti kras pi bien. Ministre Culture et Communication Toussaint Limon explique que ça traduit solidarité gouvernement Moïse Lafontaine à moun sa yo qui dans situation difficile. Li invité catégorie moun sa yo pour prendre destin yo nan main pour voyer yon image positive de zone côté à vivre là. Administration Moïse Lafontaine li marqué solidarité côté solidarité li ensemble avec nous qui nan camp et tant pour nous tout nous connaît vivre nan camp c'est pas une vie facile, c'est peut-être ça. Gouvernement, administration Moïse Lafontaine, prend toute disposition pour les aider nous, pour nous capables de vivre bien et pendant la parler, prendre disposition pour tout le monde vivre qui défend pour y retourner la caillou. Ministre Affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste, fait connait gouvernement distribuer enveloppe by famille sa yo, cap aider yo mener quelques activités économiques et puis faciliter yo reprendre la vie sans trop de difficultés. Ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, Régine Lamure, souhaite moun yo pas prendre temps pour quitter espace là pour empêcher yo traper vie maladie. Nous venons là jeudi pour nous assurer que tout bagarre est fait dans l'ordre. Nous voyons que députés, magistrats, autorités locales étaient déjà à disposition en matière de transport pour Mounio, que ce soit bus, que ce soit également pour bateau, parce que nous avons le balance. Donc, nous avons nécessité pour être capable de retourner. Donc, c'est dans ce sens que nous, même après-midi, nous sommes là malgré mauvais temps. Mais Jean-Président dit, Jean-Premier ministre dit, c'est travail, n'a pas travail. Donc, nous venons pour nous capables d'assurer ça que nous avons mandaté nous pour faire. Et c'est tout gouvernement qui porte solidarité, le premier. Madame également. Qui là, chaque famille, qui là, président Jovenel Moïse avec le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, voyez une enveloppe pour nous qui vient comme la donne, qui permet de prendre toute disposition. Parce que dans l'état de vivre là, dans la pire maladie, j'en ai pu dire à ce deal, qui, quand nous là, pas vraiment de l'eau potable, nous avons besoin d'éviter toute
bagaille indésirable. Alors, nous avons des collaborations, nous avons des compréhensions pour automatiquement que nous prenons disposition, nous mettons la possibilité pour nous transport, pour nous aller, s'il vous plaît, faire diligence pour nous aller. Mounsayo gen environ une semaine depuis yo rive en Saint-Pete après des blousailles qui pété entre haïtiens et dominicains dans zone pédénal là. Une situation qui était la cause dominicain assassiner plusieurs haïtiens, ça qui obligé en pilote haïtien courir quitter zone là. Et puis j'en te dis le tout sous recommandation président Jovenel Moïse, ministre intérieur à collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin, distribué plusieurs centaines de motocyclettes by Kazakh dans 10 départements géographiques PIA. Matériel ou lance à facilité déplacement autorité locale yo, dans le travail y a gain pour faire dans section communale d'après autorité yo. Un reportage. Plusieurs Kazakhs qui sortent dans 37 sections communales dans le département Nip pour recevoir jeudi 15 mars 2018 la motocyclette. C'est délégué départemental Niplan, Guiva Labé et magistrat commune Miragouane, Yves Metellus, qui te possédé à série distribution ça. Dans l'occasion, délégué Guiva Labé félicité président République la Jovenel Moïse pour travail la réalisé en deux pays et spécialement dans les membres collectivités territoriales moyens et matériel pour faire travail plus bien. Président, dans le passage, il te dit que Kazakh, Azek, il représentait force en d'un pays. Et Jodia, il te fait une promesse, et c'est comme ça tout, il vient délivrer promesse ça à travers moi-même qui représente. Donc, non, non, ministère, moi, qui croit faire, qui c'est ministère intérieur et des collectivités territoriales. Dans le gouvernement Moïse Lafontaine, moi là pour me dire nous, pour mettre promesse présidente fait nous, moi-même m'a délivré le nanol. Distribution après le continuer dans vendredi 16 mars 2018 là, dans le département la Tibonite, côté ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, remettre motocyclette by divers Kazakh. Docteur Saint-Albin te profité mandé bénéficiaire yo utiliser matériel sa yo dans intérêt population. Président République là, son excellence Jovenel Moïse te prend engagement devant nous pour li te doter chaque conseil d'administration section communale d'une motocyclette. Processus yo te commencé et moins que deux mois après promesse ça te prend promesse là atterri. Je prends plaisir pour attirer l'attention. Je dis que c'est la première fois que ça fait. Il y a l'autre président, il y a l'autre gouvernement qui a commencé, qui a essayé, qui a commencé, qui a fait partiellement. Mais c'est la première fois qu'on moto te promettre pour chaque conseil d'administration que promesse à respecter. C'est dans le département Nord-Ouest, série distribution SAYO qui a démarré dans le département SID à Gredas PIA, après le prend fin vendredi 16 mars 2018. Là. Côté malgré mauvais temps, Farina et la pli, ça pas empêché distribution en continuer. Plusieurs autorités qui te prend la parole dans l'occasion, tant que président Fédération nationale Kazakh d'Haïti, Paul André, et ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, te renouvelé par les membres collectivité territoriale qui étaient présents, volonté président Jovenel Moïse pour accompagner yo dans le travail à faire pour la population. Sorti vendredi 9 pour arriver vendredi 16 mars, c'est un total 671 motocyclettes ministère intérieur à collectivité territoriale distribuées sous tous 10 départements géographiques pays. Réalisation projet ça, c'est résultat Chita Palais qui te gain entre responsable Fenakayo et premier citoyen pays, Jovenel Moïse, dans la date 30 décembre 2017 là. Information après poursuivre pour nous faire qu'on a 36e conférence lundi de la presse lente et occasion pour directeur général MSPP parler sous question formation professionnelle santé dans le pays. Problème y a confronté non niveau ça. Directeur général a profité occasion en tout pour appeler mission MSPP qui s'est mettez professionnel santé qualifié au service population. Y a un extrait dans micro Rachel Saint-Fort à Clorore d'Arly Jean-Jacques. Bon système de santé,
c'est non seulement matériel, médicaments, l'hôpital, mais c'est aussi et avant tout moun. Ça veut dire que sou pa gen moun et sou pa gen moun de qualité, quel que soit sort gagné, système n'a pas bien marché. En termes de coût, par exemple pour l'État haïtien et pour le ministère de la Santé publique, rien que pour catégorie professionnelle ça yo, li coûte nous environ 10% de salaire que tout pour tout professionnel santé en général. Donc imaginez que pour jeunes qui pour aller dans service social, pour jeunes qui pour aller dans internat, ça fait environ 10% de masse salariale ministère, etc. Au moun sa yo, qui ça nous remarquer, c'est pas l'année service social dans lui-même, li vinon année obligatoire parce que le bail droit à licence là. Mais certaines fois, nous manquer contrôle sur qualité service social là lui-même. C'est pas une année de formation. Maintenant, il y a des réflexions qui pour faire. Et docteur Larsen, directeur formation, pourra peut-être rentrer dans des détails techniques avec nous. Mais tout ça pour nous dire que, en deux ministères, nous conscients qu'il y a des problèmes dans la formation et qu'il y a des équipes qui travaillent sur eux. Et au fur et à mesure que nous avons venu avec des propositions de changement, il y a fait. Toujours dans le sujet, ça, un directeur formation et perfectionnement dans sciences santé, docteur Vladimir Larsen, qui fait un état des lieux, situation et matière professionnelle dans sciences santé, côté formé, exigence dans question formation qualité, accréditation, difficulté dans question réussite, examen l'état et la trier. C'était occasion pour Dr. Vladimir Larsen présenter quelques mesures redressement et perspectives pour répondre à quelques problèmes rencontrés dans question formation professionnelle dans sciences santé. Un extrait. Nous recensons près de 18 facultés de médecine. Gain seulement 6 qui gain papier dans main. Gagne deux facultés d'odontologie, gagne un seul qui gain droit à faire formation. Gagne deux facultés de pharmacie, gagne un seul qui gain droit à faire formation. Gagne une école de sage-femme. Gagne près de 174 l'école qui a formé infirmière que nous recensons. Mais au niveau du ministère, là, c'est 83 là-dedans qui gagne un papier reconnaissance. Nous gagnons deux écoles qui ont droit à faire formation sur technologie. Ce qui mène nous non côté que si nous prenons chaque professionnel, ça yo, notamment les médecins et les infirmières, nous avons équipe problème qui pose. Premier bagage, c'est que faut que formation soit de qualité parce que nous là pour nous protéger la population. Chargé avec établissement et nous comptons des crises qui gagnent au côté que comme en ministère là organiser un examen pour l'assurer que moun ki pral gen papier pour exercer en tant qu'infirmière fok yo gagne les compétences qu'il faut, eh ben nous konwè que gen en pile taux d'échec là très élevé nan sa k'ap passé nan examen ça. Maintenant pour médecin yo gagne effectivement exigence 2023 qui pa on jouette et qui déterminé depuis 2010. Nous gagnons la question des diplômés de l'étranger qui a venu en force parce que gagnent en pile et ont dépassé même quantité qui a formé en haïtien. Nous gagnons des médecins qui forment Cuba, nous gagnons qui a formé au Venezuela et gagnent tout même des programmes de résidence ça ne relé mon cap fait spécialité que ministère beaucoup reconnaître non plus. Il y a aussi les hôpitaux qui a formé yo faut que l'hôpital yo yo en mesure pour yo former moun yo parce que nous pas capable nous sommes en santé ou pas ka jouer avec qualité formation. Moment arrivé pour une en pause dans journal ça arrêté branché amis téléspectateurs n'a tourné tout de suite après. L'émission. Merci parce que nous toujours été branché information et sous télévision nationale d'Haïti. Téléjournal Long à bras poursuivre ensemble avec Parti national démocratique progressiste d'Haïti qui célébrait lundi 19 mars l'an 41 l'année existentio sous scène politique haïtienne. Mes actions grâce rencontre avec Mamblio dans le local Patia t'es parmi activités qui t'es faites pour marquer Datila. Yon anniversaire qui présentait commencement yon ensemble travail patient abgain pour réaliser
D'après secrétaire exécutif PNDPH, maître Altidor, qui était dans le micro, Esaïe Aurelius avec Henri Robert Chéri pour plus de détails. PNDPH, depuis qu'il a fondé dans l'année 1977, te comprendre bien que bataille pour changer modèle société noire, pour nous construire une nation toute bon vrai, c'est dans l'unité. C'est dans mettre toute force vive nation derrière un projet collectif que nous avons trouvé. C'est peut-être ça. PNDPH, depuis l'année 1986, l'a gagné dans la tête de l'ancien secrétaire général. La sénateur Tuneb Delpe, qui malheureusement quitte nous, suspendre, multiplier tactique depuis la FNC, dans l'année 1987, passer dans la FNCD, dans l'année 1990, jusqu'à arriver jeudi à Namopod. Nouvelle direction qui est dans la tête PNDPH, là, après la mort du Dr Delpe, qui comprend sacrifice. L'IT l'a mandé, voulait prendre même engagement pour le rester dans la même ligne. Non. Nouvelle direction, voulait continuer, mettre tête li avec l'autre pour nous changer la situation pays. N'a profité enchaîner ensemble avec Jean-Michel Simplice et puis Junior Bateau qui c'est membre fusion sociodémocrate haïtien qui dénonçait façon yo dit directoire fusion abgéré Patia. Yo fait qu'on est depuis la nouvelle équipe ça en tête Patia pas gain aucune décision qui prend pour faciliter émergence jeune yo en dans Patia. Même fusion ça yo fait qu'on est yo pas d'accord avec Jean yo renouveler mandat directoire fusion sociodémocrate haïtien yo. Y a bay plus explication dans micro TNH. Parti nous vin très différent par rapport à l'ensemble des valeurs que depuis création nous depuis fondation Patia que nous tap défendre. Valeurs promotion pour formation, valeur promotion pour les jeunes, valeur pour promotion pour des femmes, valeur alternance et renouvellement de et moun nan direction Patia pour bay possibilité à tout cadre qui gagne velléité et volonté pour servir Patia dans cadre et champ compétence par eux. Dans sens ça, nous dénoncer malgré Conseil national le 10 qui se passé a te bay yon mandat avec décision et résolution qui prend pour que gen liste électorale qui te doit déjà publié depuis semaine dernière là ça pas fait. Un vibrant appel est lancé à tous les jeunes du parti qui dans 14 régions que parti a représenté à travers le pays pour mobiliser pour que nous renouveler l'actuelle direction du parti. Parce que ce n'est pas possible pour que une direction qui a 7 ans dans tête partie et je dis à la fusion est réduite à sa plus simple expression. Et puis, on a retourné dans la 36e conférence le lundi de la presse, là, côté ministère commun. On se voit aujourd'hui lundi 19 mars, là, ministre Santé publique, là, Dr Marie-Greta Roy-Clément, avec plusieurs cadres dans le ministère SILA. C'était l'occasion pour ministre Marie-Greta Roy-Clément parler sous maladie diphtérie. Présenter situation épidémiologique maladie ça en Haïti et puis plan pour freiner maladie si là dans pays a. N'a invité nous suivre en compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis le Lord Lee Jean-Jacques. N'a pour remarquer que 60% de moun sa yo qui té fait maladie ça c'est femme yo yé sexe féminin. 58.3% de moun sa yo qui te fait maladie ça, yo te gagné un statut vaccinal non vacciné. Ça veut dire moun sa yo pas de vacciné, d'où l'importance de samsodien faut yo mené ti moun yo al vacciner. Donc 58.3%, ça sont information qui extrêmement importante. 58.3% de moun sa yo, là yo te questionné yo, c'est des moun qui pas de vacciné ou bien yo pas connaissent si yo te vacciné contre maladie ça.
nous avons gagné 7 décès depuis janvier à mars 2018 et 80% de cas sont âgés de plus de 5 ans. La campagne a commencé le 8 avril, l'a fini 13, donc la fête à deux niveaux. Premier, c'est dans l'institution, c'est-à-dire que centre santé, l'hôpital, dans la commune côté que nous avons réalisé la campagne. Et deuxièmement, c'est dans le post-rassemblement. Mais ce qui est plus important, c'est que nous avons des spots qui vont passer dans la radio. Donc, il faut que nous encourager les parents à mener les gens. Et dans l'Ouest, nous faisons comme ça, le ministre de la raison. C'est parce que et l'école, ça qui est composé, gagne tout pour la vacance. Donc, nous avons gagner tout petit monde, donc c'est pour ça n'a fait à la rentrée et n'a pas pour nous passer dans l'école yo et ministre et mandé pour personnel santé yo yo va gagner tout pour vacciner puisque face à épidémie ça n'importe monde capable draper li et ministère santé publique prend toute disposition dans tête coulée avec partenaire li yo pour capable porter une réponse adéquate avec question diphtérie. 9 départements sur 10 qui concernés, département qui va concerner c'est département de la Grande Danse. Et puis vraiment sous département c'est des communes, c'est pas toutes communes qui ciblées. Donc mais ministère a souligné également que c'est département du Nord, on parle du Nord en fait, le département de l'Artibonite et le département de l'Ouest qui gagne plus communes. Donc c'est ça qui fait comme ça effectivement, il va cibler communes, les 40 communes qui sous ces 10 départements. L'autre information dans le journal ça, centre communautaire à Kilti dans Casal, dans tête collée avec Fondation Lorquet pour yon lot Haïti. Clôturé samedi 17 mars, séminaire formation est réalisé sous artisanat ak musique. Activité formation si la qui déroulé pendant environ 2 semaines, te faite dans intention jeune garçon ak jeune fille qui vivent dans Casal. Kolo Eliezer et Michel Joseph a présenté nous un reportage. Cérémonie clôture séance formation ça a déroulé en présence plusieurs cadres employés à Xami Centre. C'était occasion pour directeur centre communautaire à Kilti Casala, Joseph Mito Derisso, de présenter bilan travail réalisé dans Casal. Joseph Mito Derisso a profité exprimer contentement pour façon séminaire ça a déroulé. C'est une très belle initiative. Casal a besoin depuis bien longtemps parce que nous avons un pile petit monde, un pile jeune qui t'a levé grandir dans la communauté. Il n'y a pas de chance pour te joindre à une telle activité. Responsable Fondation Lorquet pour une autre Haïti, Joël Lorquet, lui-même tout pas de cacher satisfaction pour qualité de travail sans la dans tête collée avec une fondation réalisée dans la communauté casaloise. Plus loin, Joël Lorquet fait qu'on est fondation la dirigée a continuer travail dans tête collée avec dirigeant centre communautaire à Kilti Casal là yon façon pour bail plus bon service à créer plus développement dans intérêt population Casal là on veut essayer aider pays dans moyen pas nous parce qu'on pas obligé entrer dans politique on pas obligé et gagne pile quoi pour foncer de bagaille donc nous gagne une telle philosophie nous dit que bon on créer fondation et nous gagnons 4 domaines d'intervention et nous dans éducation, nous dans santé, nous dans services sociaux et également dans les relations internationales. Donc fondation a commencé le travail et puis nous étions seuls mais il y a jusqu'à 2 ans nous gagnons ancien membre du gouvernement jeunesse notamment Amos Saint-Cyr le président qui vient joindre nous qui offre nous collaborer avec nous. Donc nous venons tourner en vraie organisation parce que nous avons plusieurs jeunes compétents qui collaborent avec nous. Et c'est pour ça que nous faisons en pile l'activité ces jours-ci malgré nos faibles moyens. Séance formation ça, c'est toute occasion pour responsable centre communautaire à Kilti Casala et dirigeant fondation Lorquet pour l'autre Haïti annoncer projet yo gagné pour population casaloise là. Merci Kolo ak Micho, on prend une autre pause amis téléspectateurs, on retourne tout de suite. Premier coup de pied nous dans l'actualité en sous-plan international pour amener nous dans le pays la Russie pour nous faire connaître le président russe Vladimir Poutine, réélu dimanche 18 mars, avec 76,67% voyaux. C'est le plus bon score Poutine pas jamais fait depuis 18 l'année gouvernance li, soit comme président ou soit premier ministre. On suit.
Vladimir Poutine largement réélu pour un quatrième mandat dans tête pays la Russie avec 76,67% voix au dimanche 18 mars 2018 là. Vladimir Poutine cap dirigé pays la Russie depuis 18 l'année soit en tant que président ou soit premier ministre réalisé plus bon score dans élection présidentielle et puis dépassé toute attente sondage était prévoir pendant dernière semaine ça yo. Président Poutine remercié plusieurs centaines là. Poutine déclaré li wè nan victoire sa confiance ak espoir peuple ya. Divers sujets qui créent en pile tension sous scène internationale là qui concerne si pas suspendre faire débat tout en cours conflit syrien ou soit accusation ingérence sous là dans élection Donald Trump là ou bien encore confrontation est-ouest là qui vient plus compliqué depuis Londres accusé Moscou empoisonnement yon ancien espion russe dans Royaume-Uni yon accusation Vladimir Poutine qualifié sans fondement. Cependant Poutine déclaré li paré pour coopérer avec Londres dans enquête qui l'ouvrit sous dossier ça. Nouveau mandat Vladimir Poutine sous pouvoir à bout en 2024. Merci Betty, n'a prêté une actualité en sous plan international mais n'a changé continent. Nous braler aux États-Unis côté yon quatrième explosion faite dans Austin dans l'État Texas dimanche 18 mars 2018 là. Deux moun blessés dans explosion ça, cependant d'après yon porte-parole l'hôpital là, vie moun sa yo Pata en danger, en suive. Deux moun blessés dans la ville Texas pendant une explosion qui fait dimanche 18 mars 2018 là. Moun sa yo été transporté l'hôpital en urgence. D'après porte-parole l'hôpital là qui était dans micro la presse, vie moun sa yo pas en danger. C'est quatrième explosion qui fait dans la ville si là depuis commencement mois mars là. Pour qu'on y a la police dans l'état Texas pas arrivé établi lien entre dernière explosion ça avec ça qui fait en vent yo. Cependant, il pas écarté possibilité pour ta gagne certaines connexions. Gouverneur Texas a offert une récompense $15,000 à n'importe qui qui capable bail information pour y mettre main sur coupable. Trois explosions qui étaient faites avant ont été la cause de deux monde perdu la vie. Merci Betty. Dernier coup de pied nous dans international là pour pipiti 17 monde perdu la vie, 15 000 lots sinistrés dans Madagascar après tempête Eliakim frappé nord-est à Kles pays ça lundi qui lundi 19 mars là pardon. Information ça yo confirmé d'après un bilan officiel qui bail dans un communiqué en suivant ensemble. Yon gros tempête frappé pays Madagascar, la cause plusieurs dégâts enregistrés, pour plus petit 17 moun perdi la vie, 15 000 sinistrés, glissement terrain et inondation, selon bilan officiel. D'après yon communiqué, si qu'il est pas Bureau national gestion risque et catastrophe, tempête Eliakim atterri dans Masola, nord-est pays, depuis 16 mars 2018. Madagascar, c'est un pays qui frappé par plus tempête, côté li déjà enregistré plus passé 40 cyclones et tempête tropicale. Pour mois janvier passé, Madagascar a frappé par cyclone Enaro, c'est la cause pour pipiti 78 monde perdu la vie. Merci Dormine, nous prenons l'autre pause, nous tournons tout de suite. Nous avons un dernier tranche en journal ça, nous retournons la Kainou ensemble avec le projet Kaipam Clairé qui avance dans la commune Verrette avec un Guayavier, troisième section communale Saint-Marc. Initiative ça fait partie engagement président République Lan pour permettre que toute famille haïtienne gagne lumière, quel que soit côté oyé. Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre pour un reportage. C'est 500 familles dans chaque zone Sayo qui bénéficient d'appareils pour mettre courant la caillou. Appareil Sayo gagne capacité pour lui mettre 4 ampoules. Possibilité pour charger téléphone yo, jouer radio et puis capacité pour yo kembe réserve courant si toutefois panneau solaire yo pas ta recharger dans époque la pluie ak cyclone. Bénéficiaire yo remercier président République là Jovenel Moïse qui permet kayo clairer après un bon bout de temps yo passé à vivre dans fait noir. D'après yo, courant yo vinn gagnant pral permettre ti moun yo étudier pi bien. Faciliter yo mener ti activité économique yo nan nuit et puis wè pi clé le a fait travail propreté nan kayo. C'est avec l'opte gudap paysan te kon clairer kayo et puis ensemble avec sak pa gete gè acheter gaz la même c'est baleine yo pour. Parfois nous kon fait déficit, kay boulé, batiste ti moun boulé, tout document boulé, papier te boulé. Mais avec Kaipam Clairé nous connait problème ça pas privé encore. Pour mouvement ça pour gouvernement fait pour nous nous même Guayavier côté que nous t'a servi ensemble avec l'opte gudap réalité. Mais kounye a l'été initiative ça nous gagne que tout le monde va avoir gagne Kaipam Clairé la caillou dit papa acheter il y a 10 millions dans force gazan
Et là, je dis au gouvernement merci. Oui, on a 40 ans à vivre là. On va croire ça même. On est moins content. Je souhaite que plus devant nous, plus de bagages toujours. Donc, il y a des gens qui sont belles. Nous avons peut-être des guides encore. Je dis, regardez-nous dans une belle lumière, nous avons une belle clarté, nous avons toutes les bagages qui sont dans la nous. Ça a tellement fait nous plaisir. Votre moyen, ça a démontré votre moyen partant. Je veux remercier le président, le député, le magistrat. Je veux remercier tout le monde. Depuis nous fait, nous avons eu une bagage ça. Mais nous avons grâce au président, nous avons eu une bagage ça. Nous disons bon Dieu merci. Parlementaire qui était présent dans cette distribution, ça a salué volonté et détermination exécutif là, qui permettent en poule clairer la caïmoun qui vivent dans zone reculée. Yo. Yo croit yo initiative comme ça participer dans effort qu'a fait pour développement durable pays ya. Nous moun yo yo gen en pile engouement parce que hier était là, yo pas de grande jeune formation et nous dit avec tout moun qui en dans système là, un grand merci parce que non seulement yo formé 10 jeunes dans la zone qui doit accompagner la population et ils font une formation générale pour les 500 bénéficiaires et bien de Kit Soleil. Côté que Mounio va connaître comment pour installer, il va prendre échantillon avec eux et là ça et bien pour la zone li éclairé. En localité qui était aussi difficile, côté que nous pensons que pas d'abcage énergie, nous voyons que je dis à l'autorité débarquer, en l'occurrence député, sénateur, avec. Donc a dit directeur et Calix et côté que justement pour aller gagner on quitte énergie solaire qui distribue eh bien à chaque paysan pour mettre la caillou et côté que yo ka gagner éclairage yo ka charger donc a dit téléphone yo et surtout qui ka permettre que le soir on vit dans communauté et bien quoi que jodi a son gros jour pour paysan sa yo. Eh bien, qui a, en plus de l'agriculture, joint en présence l'État à travers Kit Énergie. Quand même, nous remercions l'exécutif là, qui fait des marches là. Et nous croyons que, en plus de bail là, ce qui est important, c'est que y a une formation qui baille. Nous voyons que le président Jovenel, nous voyons que le premier ministre Lafontaine, ils te promettent que il y a bail courant, il y a bail mettre énergie, n'est-ce pas? Et à la disposition de la population, et bien nous, justement, c'est ça comment c'est fait là. Et bien nous venons accompagner la population dans le cadre politique de mise à disposition d'énergie pour la population Gouavière. Avec le programme Kaipam Clérien, nous avons au moins galé la plume, nous avons trois chambres qui sont l'humain, nous avons moyen pour charger le téléphone. Les moyens pour le temps de tes nouvelles, pour faire tes musiques, etc. Ça veut que son programme est extrêmement intéressant que le président mettait sous pied, nous encourageons. Le projet Kaipam Kléria fait partie du programme courant 24 sur 24, président République la Pronia. Directeur général de l'Agence nationale énergétique, là, ingénieur Evenson Calix, fait connaître qu'il s'est distribué dans l'espace côté qui n'a pas d'infrastructure pour mettre courant à cab. C'est une façon, d'après le directeur général Anasea, pour le président républicain, de ne pas quitter personne sous côté. Nous avons vraiment habité en montagne. C'est exactement l'objectif du programme aujourd'hui. Permettre à chaque monde d'avoir accès à l'électricité de la CAIO et son électricité qui est faite à partir de sources énergie propre. Je rappelle tout le monde que le programme ça fait partie du troisième axe du programme président de la République, qui gagne trois volets là-dedans. Donc, premier volet, c'est travail pour mettre en place le réseau national. Ça veut dire arriver à interconnecter tous 10 départements. Et troisième axe, c'est alimenter les gens qui sont dans la zone dispersée à travers le programme. Ça nous relève Kaipam Kléria. Bénéficiaires ont expliqué en pile difficulté qu'ils ont rencontré lorsqu'ils ont utilisé baleine ou soie peut-être grid-up. En pile, ils ont eu un boulet. Perdu tout papier important yo au soir dominant fait noir là yo pas gen moyen pour acheter gaz yo croit avec lumière yo bénéficier ya pral transformer la vie yo et puis permettre yo vivre dans plus bonnes conditions. Président République Lan Jovenel Moïse visité samedi 17 mars là plusieurs projets caravane changement cap réalisé dans département sud là. Parmi chantiers, ça y a un travail curage rivière la ravine non au niveau bananier commune Camperin, route asphalte qui commence à faire dans Kafou méridien pour arriver d'ici.
Sous recommandation, président Jovenel Moïse, ministre intérieur à collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin, distribué pendant semaine passée à plusieurs centaines de motocyclettes by Kazek dans 10 départements géographiques pays. Sénat République l'a organisé pendant la semaine passée à yon retraite pour permettre sénateurs de discuter sur divers dossiers qui ont rapport avec fonctionnement parlement et puis séance qui était faite sous Petro-Caribéa. Ministre Affaires sociales et travail et puis ministre Jeunesse, Sport et Action civique ont été en délégation visité pendant le week-end la situation compatriotes haïtiens qui vivent dans 11 chapitres après Dominicain fin déguerpillé sous territoire. Ministre Santé publique Dr Marie-Greta Roy-Clément et plusieurs cadres de ministère participé jeudi à la 36e conférence le lundi de la presse ministère communication organisée. C'était occasion pour ministre Marie-Greta Roy-Clément parler sous maladie diphtérie, présenter situation épidémiologique maladie ça et puis plan pour Fresnel. L'actualité en sous-plan international, président Russland Vladimir Poutine réélu dimanche 18 mars avec 76,67% voyaux. C'est pi bon score Poutine pas jamais fait depuis 18 l'année gouvernance li, soit comme président, soit comme premier ministre. Merci tout le monde qui t'a suivi premier petit journal là pour semaine ça. N'a remercier toute équipe là qui t'est mobilisée pour t'est river en ni possible. Yon fois encore, n'a souhaité nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne fin de soirée sur télévision nationale d'Haïti. N'a invité nous rester branchés. C'est Journal Sport qui pourra enchaîner tout de suite après avec Jérôme Pierre. Au revoir.